je trouve que sur ces grosses étapes justement c'est très ouvert et que c'est bien sympa. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a 4 équipes au départ, mais je pense qu'il y aura plein de surprises. Donc c'est ça qui est marrant. Alors, vous scatchez en forme? Ah, très bien. Bon. Ouais. En haut de la deuxième bosse, après 1000 mètres de dénivelé. Kylian en tête. Allez, Kylian, allez. Xavier est gâché aussi en fond du pays. Allez, Xavier, allez. Allez, Kylian, super. Magnifique. Allez, Xavier. Allez, Xavier, super. Allez, William. Allez, William. Super. Allez, Xavier, allez. Génial! Bravo à eux! Si vous saviez par où je suis passé! On va applaudir avec Kylian et Mathieu qui emportent l'étape en 2h35-34. Deuxième place, c'était à 3h38 pour Momadé Engaché. Il termine troisième, Boscaz et Antonio, avec un écart de 5. Moi je suis un petit peu malade, je fais la première part de la première montée et après j'ai pas d'énergie, j'ai pas de vitalité. Antonio, très impressionnant. William, très bon descendeur, excellent. Un ancien alpin. Wow. Allez Mickey, allez Michel, allez. Allez les gars, vous êtes à 1 minute. Allez Xav, allez Robert, allez, 1 minute. Allez Will. Chance, les jambes c'est très bonne, alors on a fait un bon de chance, je crois. Ingresser avec cette combinaison très spéciale pour toi. Ouais, bah, c'est clair que tu peux aller au mal directement après ou avant. Il va très bien. Double vainqueur de l'UTMB, c'est ça? Double, triple. Un double, c'est arrivé.
double vainqueur de la Diagonale du Fou, et d'autres encore, François Daine, himself. Allez-y, allez. Allez, allez. Ça va? Ouais. Plaisir? Ouais. Je crois qu'ils ont un peu écrasé la course aujourd'hui. Là, ça sent mauvais pour... ça sent mauvais pour Xavier et William, parce qu'ils sont... ils sont loin, je ne vois pas encore. Donc les Italiens sont en train de reprendre le dessus. Allez Mickey. Allez Michel. Allez Robert. Allez Robert, allez. Les Italiens à 3 minutes 15. Ça sent qu'au général, ils avaient 2 minutes et quelques d'avance. Ils sont un peu derrière. Merde, Xavier qui a fait une erreur de trajectoire et qui perd beaucoup de temps là. C'est génial, bon, il faut attendre demain, c'est quand même une longue étape, mais ouais, on est content. Les Italiens qui ont fait une très belle étape et qui vont probablement prendre la deuxième place du général. Est-ce que vous avez été trouver les ressources physiquement ou dans la tête? Partout. Partout. Aujourd'hui c'est terminé, demain on verra. On va poser les jambes. Podium complètement différent donc aujourd'hui, sauf la première place qui reste la même. Mais les Italiens grimpent sur la marche de dessus. Et Alexis et Didier également. Combien de fois là, Pierre Amenta? Je crois deux fois. Deux fois. 2004-2009. Ah oui, c'est ça. Des jolis souvenirs de ces jours-là, tu te rappelles toi aussi. On pourra Kylian plus faire de course et Mathéo avec comme toi, hein. En tête, suivi de près par Xavier allez, et William. Allez, faut raccrocher là. Allez, les Italiens sont un petit peu lâchés pour la première montée, mais ça tout se tient là. Léo qui a à cœur de faire bien aujourd'hui, je pense, en mémoire à son ami Idriss Hirsch disparu. Juste après la Pierre Amenta l'année passée. Ah, Kylian qui débouche. Avec Matteo, Xavier et William. Bravo, bravo. Ils font une superbe opération. Ils sont en train de reprendre leur deuxième place. Donc, William Xavier qui repartent en tête. Suivi de très près par Matteo et Kylian. BMW, William Bombardion. Bon. Voilà. Bon Mardion, William. Et Xavier, super Xavier, c'est bon là, c'est dans la poche. Ouais, bah, chacun de nos journées dures, chacun de son tour. Ça va, t'es pas fait mal? Non, ça va. Ça rappe un peu, mais ça va. Triomphe de la Pierre Amenta, tous ensemble on va applaudir le triomphe franco-espagnol-catalonia
Kylian, Yannet, Bogana, Matteo, Jacques-Roux. Là, c'est le podium de la première édition de la grande course.